C'était un compte-rendu par rapport à la cérémonie de remise du rapport du cadre de dialogue qui a été... ce rapport a été remis hier au président de la transition de la manière la plus solennelle. Donc c'est une étape importante en ce qui concerne la mise en œuvre des étapes du chronogramme. Et comme vous le savez également, il y a eu la promulgation de la loi sur l'identification physique des Guinéens. C'est un aspect juridique important qui autorise désormais l'enrôlement des Guinéens dans le cadre du RAVEC, et ce n'est qu'à partir de là que le fichier électoral pourrait être extrait. Donc, considérons que les choses vont connaître une accélération dans les semaines à venir. Disons, il n'y a pas un optimisme béat, mais il faut faire preuve de réalisme et d'être toujours attentif à pousser à ce que la cadence soit accélérée pour ne pas, disons, impacter encore davantage le déroulement du chronogramme complet.